Et hoyo les gens, c'est Kaljo. Et aujourd'hui, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mon aventure. Donc voilà, c'est parti. Allons-y, allons défoncer qui que ce soit devant moi. Donc voilà, il fait beau, le soleil est haut dans le ciel. Donc voilà, il y a toujours ces canards et tout. Donc la dernière fois, j'avais fait Lexington, on va dire entre guillemets, j'avais revu à peu près les choses. Mais là, je vais changer, du moins je vais faire l'émission normalement qui arrive après... Retrouver des codes, ok, je dois retrouver train des injures, je vais faire ça. Donc c'est parti, je sais pas où c'est. Où je dois aller, train des injures... Pas de marqueur, sérieux? Ok. Ah si, c'est là. Ouais, ok, je vais retourner à l'église. Ok, en retournant à l'église. Hein. Et voilà, on est chargé. Ok. Putain, je suis à 72 FPS, c'est quoi? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Oh, 106. Ouais, ça c'est un changement. Donc voilà. Pensé mes plaies. Il m'a jeté sur son épaule et il est ressorti en tirant dans tous les sens. Ça grouillait de synthétique. Il a dit qu'il n'était pas prêt à risquer sa vie pour notre cause. Mais les actes comptent plus que les paroles, non? C'est pas faux. Deacon me dit que vous avez trouvé le prototype. Neutraliser un champ de mine et éliminer une centaine de synthétiques de première génération. Centaine? Et tout ça sans assistance. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout est vrai. Et encore, il en oublie. Si vous n'aviez pas le prototype, je penserais que vous vous payez ma tête tous les deux. Tu vois, boss, c'est comme je te disais. Je m'attendais à ce que Deacon prenne une équipe entière, dont Glory, pour aller récupérer ce prototype. Mais au lieu de ça, vous avez nettoyé la totalité du standard à vous deux. Faudrait être dingue pour pas le recruter, Dez. Vous avez fait forte impression sur Deacon, dit-on. C'est la première fois qu'il me dit autant de bien de quelqu'un. Ou qu'il ment autant sur quelqu'un. Bienvenue au sein du réseau du rail, agent. C'est Allez. Un plaisir de vous rejoindre. Visiblement, on a beaucoup de chance de vous avoir parmi nous. Vous êtes donc des nôtres. Maintenant, il vous faut un nom. Le secret est la clé de notre survie. Et les noms de code sont essentiels. Alors, quel est le vôtre? Sérieux? Sérieux? Vous n'auriez pas une suggestion? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est votre vie, votre nom. À vous de choisir. Ok. Ah, Raphaël, Ninja. Appelez-moi Ninja. Vous aimez les tortues? Ninja. Non, je plaisante. Tortue. C'est très bien. Votre premier ordre officiel est d'apporter ninja. Le prototype au docteur Carrington et de lui demander s'il a besoin d'autre chose. Mais d'abord, je vais vous présenter le reste de la famille. L'emplacement de notre QG. Faut faire gaffe à la surface. On sait jamais quand on est surveillé. Que vous sortez, vérifiez bien que personne ne vous surveille. Bienvenue dans la famille. On est des gens pittoresques, et tous plus ou moins dingos. Mais va falloir vous y habituer. D'ailleurs, puisqu'on en parle, si ça vous dit d'avoir un fidèle acolyte, on pourrait peut-être continuer à voyager ensemble. Pas maintenant. Prévenez-moi si okay. Vous changez d'avis. Ok, Duncan pourrait être avec moi. Ok, d'accord. Eh, la recrue. Moi, c'est Tam Tam. C'est moi qui ai hérité du job de rêve de m'occuper des lettres mortes et des nouveaux agents qui débarquent. J'imagine que vous voulez pas échanger avec moi.
C'est si terrible comme boulot? Au réseau du rail, les coursiers sont tout en bas de la chaîne alimentaire, juste un poil au-dessus des touristes en tombe. Être le coursier du QG est quand même un cran au-dessus du boulot de terrain, j'imagine. Bon, il faut bien que quelqu'un s'y colle. On se reverra, vous et moi, très souvent. Vous n'aviez rien vu de louche en arrivant, hein? Non. Ok. Alors, il y a la dame, là. Après votre départ, je vais devoir faire une inspection complète avant qu'on puisse partir, nous aussi. Ok. En gros, il faut sortir par là. Ok. Ok, c'est là le QG. Le truc le QG. On va mettre une bombe nucléaire. Voilà, c'est ici. Ça manque d'aménagement par rapport aux standards, mais c'est un endroit sûr et on a pris des précautions pour éviter une autre attaque surprise. C'est un peu chaotique en ce moment, donc vous ne risquez pas de vous ennuyer. Ouais. Ouais, droit. Écoutez-moi tous, je vous présente Ninja. C'est lui qui s'est chargé de la mission du standard avec Deacon. Et dorénavant, c'est un agent à part entière. Ninja ! Je compte sur vous tous pour l'aider à prendre ses marques. Vous pouvez l'accueillir à bras ouverts. Sérieux ? Ce sera tout. Vous n'avez pas choisi la voie de la facilité. Mais on est avec vous. Pardon, Tom Labricole m'a demandé de faire quelque chose. Oui. Pardon. On a un paquet de synthétiques en jeu en ce moment. Ça complique les choses. Ok. Le mec, il prend, c'est tous les trucs qu'il peut prendre. Le mec, non, respect, non, zéro. Allez, joli tes tombes, toi. Ok. Notre nouvel agent. Desdemona m'a demandé de vous remettre ceci. Vous avez fait une belle prouesse en récupérant ça. Mais là n'est pas la question. Alors que vous n'aviez pas suivi la moindre formation et qu'on ne savait rien de vous, Des a décidé de vous inviter dans notre QG. J'aurais apprécié qu'elle m'en parle d'abord en ma qualité d'adjoint. Mais ce qui est fait, est fait. Oh. Comme vous êtes là, autant mettre vos talents à profit. Quoi ? Vous ne me croyez pas capable d'accomplir une mission dangereuse ? Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce que vous avez fait au standard me prouve que vous savez gérer les situations dangereuses. J'espère que cette mission ne nécessite pas de s'y connaître sur les synthétiques et nos procédures. Car vous n'avez guère eu le temps d'apprendre quoi que ce soit à ce sujet. Bah, en même temps, j'étais dans un cryostase. Donc, ouais. Je connais pas de ces robots, ouais. Enfin, je connais des petits anciens. Ok. Dites-moi de quoi vous avez besoin, docteur. Un de nos agents de terrain, le vieux Stockton, a besoin d'aide avec un synthétique en fuite. H2-22. Comme d'habitude, c'est au QG de régler tous les problèmes, vu que personne n'est capable de s'occuper des siens. Ce vieux fou paranoïaque n'a rien voulu nous expliquer. Il va falloir recueillir les informations dans l'une de nos boîtes aux lettres mortes. C'est quoi une boîte aux lettres mortes ? C'est un petit cercueil pour les lettres crevées qu'on ramasse au bord de la route. Saleté de radiation, je vous dis. Oh, Seigneur. C'est une boîte aux lettres qui porte un signal ferroviaire. Il s'agit d'un moyen de communication que nous employons fréquemment. Alors, ouvrez l'œil. Quand vous établirez le contact avec Stockton, il refusera de vous adresser la parole si vous ne connaissez pas le mot de passe. Il vous demandera « Vous avez un compteur Gégère ?» Et vous devrez lui répondre « Le mien est en réparation. » Deacon vous a au moins expliqué ça, j'espère. Le mien. Vous pouvez me faire confiance. Je m'en charge. C'est plutôt convaincant, à vrai dire. Stockton est un homme d'affaires important de Bunker Hill. La boîte aux lettres mortes se trouvera non loin de là. Utilisez le tunnel d'évacuation à l'arrière pour y arriver plus vite. Ok. It's good. Quand vous êtes là-haut, partez du principe qu'on vous observe en permanence. Deacon a les meilleurs états de service de tout le réseau. Il a sûrement un paquet de trucs à vous apprendre. Ça fait un bail que je me suis pas fait à refaire le portrait. Tiens. Et si je devenais blond cette fois ? Oula ! Ça m'irait bien, Hautain.
Sérieux ? Vous avez vraiment parcouru le chemin de la liberté ? Comme ça, sans personne ? Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. La compartimentation des renseignements est une transition difficile à opérer pour les nouveaux agents. Dez vous fait confiance. Okay. Si vous faites du mal à un seul de mes amis, je vous raterai pas. Pardon ? Salut, vous êtes le nouveau poids lourd ? Ninja, c'est ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Un poids lourd, quelqu'un qui peut encaisser toute la merde que l'Institut et le Commonwealth lui balancent à la tronche et qui en redemande. Avec le standard grouillé de salopard, avec des mines et tout. C'est vrai tout ça ou c'est encore Deacon qui se foutait de ma gueule ? Vous insinuez que j'ai menti ? Vous ? Non, je dis que c'est Deacon qui raconte des cracks. Comment vous avez réussi le coup de l'ancien QG ? Pitié, me dites pas que vous vous êtes infiltré façon ninja avec Deacon et que vous êtes ressorti comme si de rien n'était. J'ai passé l'âge. C'est simple. Avec une tonne de munitions et beaucoup, beaucoup de sang. Mais pas le mien. Ouais, y a que ça de vrai. En tout cas, bienvenue dans notre petite sauterie. Après ce qui est arrivé à Tommy Whispers, on a besoin de quelqu'un qui fait le boulot et qui a pas peur de rendre les coups. Qui est Tommy Whispers ? Tommy était le deuxième poids lourd du QG. Il est tombé au combat quand ces enfoirés de l'Institut ont attaqué le standard. Ah ouais, bah c'est Depuis ça. Depuis qu'il est plus là, j'enchaîne les missions non-stop. Alors je suis foutrement contente que vous soyez là. Il m'appelle Glory, l'ange de la mort. La sainte patronne armée jusqu'aux dents des synthétiques libérés. Vous êtes une synthétique ? J'ai un autocollant made in l'Institut collé sur le fion. J'ai des tonnes de questions. Sur les synthétiques, sur l'Institut. Vous voulez bien m'éclairer un peu ? Tous les nouveaux qui débarquent ont des tonnes de questions à me poser. Merde, et c'est toujours les mêmes. J'ai pas les réponses que vous voulez, ok ? J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Ok. Bon. Desdemona. Si Deacon dit vrai, je place beaucoup d'espoir en vous. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sert à quoi de ramasser toutes ces cochonneries ? Ça sert à crafter des choses intéressantes ? Quand on fait sortir des synthétiques du Commonwealth, les habitants des terres désolées peuvent être encore plus dangereux que l'Institut. Votre arrivée n'avait pas été calculée. Ah ben non, je suis arrivé. Comment ça, mon arrivée n'avait pas été calculée ? Impossibilité temporaire d'analyser les signaux vocaux. Traitement en cours. Ajustement préliminaire au modèle statistique terminé. Lancement des présentations. J'étais, je suis, et selon toute vraisemblance, je serai Pam. Prévision analytique mathématique. Ok. Tu travailles pour le réseau du rail ? Oui. Il existe un fort degré de corrélation entre mes objectifs et le réseau du rail. Il me fournit des données. Je leur fournis des approximations comportementales de premier ordre portant sur tous les résidents de la région désignée sous le nom de Commonwealth. Reformulation.
Je prédis l'avenir. Ah bon, tu prédis l'avenir? Sérieux? C'est quoi ce robot? Tu vois dans le futur? C'est la fonction première de cette unité. Avertissement. Les formes de vie biologiques ont des comportements erratiques, imprévisibles. Toutes les conclusions ont une marge d'erreur extrêmement élevée. Quel est ton niveau de précision? Ma précision est proportionnelle à la taille du groupe observé et inversement proportionnelle au laps de temps étudié. Mais toutes les prédictions sont affectées par le facteur humain. Opération terminée. Vous êtes une variable insaisissable. Aucun des modèles actuels ou passés ne peut prédire votre présence ou votre existence. Question. Quel est votre point d'origine? Je viens de l'abri 111, si c'est ce que tu veux savoir. Accès aux données. Abri 111. Abri cryogénique. Destruction supposée. Conversation terminée en attente de reconstruction d'une nouvelle matrice prédictive. Reformulation. Au revoir. Pam. Recalibrage en exploitant les nouvelles données. Ok. Sympathique le robot. Ok. Qu'est-ce qu'il faut? Lancement de l'analyse récurrente selon la méthode d'Ibrovie. À part nous, les synthétiques n'ont personne. J'espère vraiment que l'Institut nous trouvera jamais ici. En tout cas, pas avant un moment. Je parie que vous aviez jamais rencontré le synthétique avant Glory. Tom la bricole. C'est quoi ces habits qu'il a lui? What the fuck? Est-ce que je pars tout et tout? Le détecteur dit que vous êtes clean. Génial! On n'a pas de mouchard. Détecteur? J'ai passé un scanner. Je fais uniquement ce que Dez me donne le droit de faire. Scanner électromagnétique, renifleur biologique et autres sécurité de pointe. Donc les tests disent que l'Institut ne vous surveille pas. Mais ils mentent! Bon. Vous avez mangé quelque chose là-bas? Si c'est le cas, c'est plié. Ils ont gagné. Vous êtes vraiment en train de me demander si je mange de la nourriture? La nourriture qu'on trouve dehors est dangereuse. Elle est contaminée. C'est pour ça que je fais pousser ma bouffe. Eau purifiée. Nutriments locaux. Je sais parfaitement d'où vient tout ce qui rentre dans mon corps et tout ce qui en sort. Voilà, c'est comme ça qu'on est vraiment à l'abri. L'Institut met des petits robots microscopiques dans la bouffe. C'est comme ça qu'il traque les gens. Tom, c'est des bêtises. Tu comprends pas, Carrington? L'Institut est dans ton sang. What the fuck? Dans mon sang? Bien sûr que non, Tom. Nous avons fait et refait tes tests encore et encore. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Tout l'attirail habituel. Et ça vous inquiète pas? Les résultats étaient trop parfaits. Trop prévisibles. C'est comme ça qu'ils finissent par nous avoir. L'Institut serait vraiment capable de faire ça? Tout le monde dit « Tom la bricole est dingue ». Jusqu'à ce qu'ils aient la preuve du contraire. Faut comprendre que les types de l'Institut, ils ont des siècles d'avance sur nous. Ils ont passé tout ce temps à travailler comme des rats d'abeilles sous Mentat dans leur ruche, sur des projets déments que vous pouvez même pas imaginer. N'oubliez pas, dans le sang. Ok, ok. Si vous voulez vraiment leur échapper, laissez-moi vous injecter ça, pour être sûr. Dez, Desdemona, a dit que personne n'était obligé de le faire. Mais ça tuera les petits robots. Je parie que cette seringue contient de l'acide sulfurique. On fait pas une omelette radioactive sans irradier des œufs. Alors, j'envoie la sauce? Qu'est-ce qu'il y a dans cette seringue? Il y a des algues, de succulentes cultures bactériologiques et juste une toute petite pointe d'acide sulfurique. Pas le choix, faut bien les cramer ces petits monstres. C'est comme une réinitialisation forcée de votre système.
Bon, allez. Allez-y, Tom. Ouais, ça, c'est cool. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Vous n'allez pas l'encourager dans sa folie, quand même. Vous me comprenez. Je fabrique des trucs, moi, ici. Allez faire vos trucs, là, je sais pas quoi, et revenez me voir. Je vous trouverai quelque chose. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Tous les super joujoux que vous utilisez sur le terrain, c'est moi et mes gars qui les fabriquons. On est des génies, camarades. Faut être sacrément créatif pour tenir tête à ces foutus prix Nobel de l'Institut. Je vous parle même pas de tous les projets secrets qu'ils ont là-bas. Bon, j'ai un paquet d'idées qui me trottent dans le crâne. Faut que je me mette au boulot. Excusez-moi. Les gars ont bossé sur quelques nouveaux joujoux. Vous voulez jeter un œil ? Qu'est-ce que vous avez en stock ? Ça dépend de ce qu'on a sous la main. On a tout perdu quand le standard a lâché. J'espère que nos agents trouveront des trucs intéressants sur le terrain. Comme ça, on pourra vous fabriquer des joujoux sympas, mes gars et moi. Vous voulez voir ce qu'on a ? Montrez-moi ce que vous avez. Ouais, voilà, on va voir qu'est-ce qu'il a. Alors... Okay, il paraît que Diamond City est aux mains de l'ennemi. Ok. Mais normal, ça. La reconstruction est un long processus. La sortie est là. Mais on peut y arriver. Allez, on sort de ça. Ok. Bon. Tac. C'est quoi cette sortie ? C'est quoi ? Sérieux ? C'est vraiment horrible. Ça y est. Allez, on ouvre la porte. Vous avez trouvé quelque chose d'utile ou vous nous faites encore perdre notre temps ? Merde, c'est plus rien. Voilà, on sort de cette chose. Allez, accélère. Voilà, on est sorti. C'est galerie de Pigman, ok, d'accord.
Je sens qu'on va trouver quelque chose. J'ai combien de poids sur moi ? Que des trucs sans intérêt. Qui est là ? Ah non, pas eux. Ok. Attention. Bon. J'entends des bruits. Tu dégages. Tu es là, quelque part. C'est quoi ça? Tu m'échapperas pas éternellement. Ah bon, viens te battre. Mec, c'est... Non, je sais pas où il est, mais... Ça pue. Faut pas me chercher. Massacre. Déchiquette. Fracas. Vas-y, hurle. Allez-y. Fais pas le bon jour pour venir me faire tuer. Mal, lui. Les humains, c'est fini. L'air des super mutants est long. Ah, ça devrait pas être long.
C'est pas un jeu. On gagne, tu perds. C'est comme ça qu'on fait par ici, ça. Sans qu'on nous a... Fini de jouer! Bien joué, microbe! Blessez pas! C'est comme ça qu'on fait par ici. On y va. Un petit tour hétéro. Enfin, un peu vu. Ôtez votre cran de sécurité. On a de la compagnie. C'est ce que j'appelle une élimination confirmée. Bonjour camarade. Dites-moi, vous avez un compteur GG? Pas avoir regardé par-dessus son épaule pour une fois. Le mien est en réparation. Vous? Je m'attendais à quelqu'un de plus féminin. What? Vous venez de la part de nos amis communs, n'est-ce pas?
Disons que oui. Bien sûr. Vous venez de nous rejoindre, n'est-ce pas? Tout ce que vous devez savoir, c'est que cet endroit est la première étape pour tous nos nouveaux colis. Il est donc vital de respecter les procédures de sécurité et de tenir les délais. Un commerçant doit toujours faire circuler sa marchandise efficacement. Exactement. Mon colis actuel est en ma possession depuis bien trop longtemps. Je suis censé le livrer non loin, mais la présence des pillards complique grandement les choses. Alors, si vous pouviez... Faciliter une livraison, c'est dans mes cordes. La livraison doit se faire de nuit. Autrement dit, si vous nous débarrassez des indésirables avant l'aube, nous pourrons nous en charger ce soir. À bientôt. Ok. Ben, en fait, je vais vous laisser sur cet épisode, vu que l'un a passé les moins de 30 minutes. Donc, je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Fallout 4. Donc, voilà, c'était Gunjo. Bye bye!